tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et donc, ben écoutez, hein, comme tous les jours, je me dirige vers le travail. Je pense qu'aujourd'hui, ça va encore être une journée difficile. Parce que, ben comme je vous ai dit hier, on a eu énormément de chambres et j'ai eu une femme de chambre qui était malade. Donc, on va étaler sur tout le week-end. Et on n'a pas le choix. Voilà. Donc aujourd'hui je vais sans doute encore me taper des chambres et puis on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe les amis. En tout cas je suis fatigué. En fait la journée d'hier elle m'a tellement de stress, j'ai tellement bougé, j'ai tellement nettoyé, récuré, balayé que ça m'a crevé un peu. Puis en plus hier soir je sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu un regain d'énergie. Je me suis couché hyper tard, enfin hyper tard, vers minuit et demi. Mais bon, c'est quand même un peu tard, donc je suis un peu crevé. Donc bon, bah je sais que je dis ça tous les jours, mais vivement les vacances, hein. Allez hop, je vous laisse, j'arrive bientôt, je vous embrasse et puis je vous reprends, je pense, à midi quand je mangerai un petit bout. À tout à l'heure. Oh, re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ce vlog. Donc bah écoutez... Comme d'habitude, il est midi et demi, presque 13h je crois. J'ai fait des chambres aujourd'hui, je suis KO, j'ai chaud, j'en peux plus. Donc bah, je vais m'asseoir un petit quart d'heure et puis je vais manger. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, enfin plutôt devrais-je dire sous la pluie, parce qu'il fait pas beau du tout. Mais il pleut pas, il fait gris mais il pleut pas, donc ça va. Donc bon, écoutez, je vous laisse, je vais manger en vitesse et après je reprends le travail et puis je vous reprendrai sans doute après... quand j'aurai fini, hein, parce qu'il se passera rien d'intéressant, à part du ménage. Ah, j'ai chaud, il fait chaud là-dedans. Donc bon, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, on va parler d'un petit ensemble, un petit tailleur absolument magnifique que j'étais tellement fier d'avoir trouvé parce que c'est d'une rareté absolument incroyable. Un ensemble absolument fabuleux. Voilà. Très mignon, très coloré, très années 90. Et donc c'est parti, j'arrête de blablater et je vous le montre tout de suite. Ta-da ! Ah mais regardez-moi ça. Il y a la jupe dedans assortie. Et il est absolument fabuleux, 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 fabuleux. Donc c'est un ensemble comme ça, bleu marine, je dirais même peut-être même bleu roi, parce qu'il est quand même bien bleu, avec toute une déferlante de fleurs, de feuilles, avec des couleurs absolument qui s'accordent bien, je trouve. Il y a des feuilles violettes, il y a des feuilles un peu bleues, un peu plus claires, jaune moutarde, vert, tout ça, ça s'accorde très bien. Et il y a certains motifs, vous voyez, genre ça, là, ça. C'est, de loin, ça fait penser un petit peu à des coquillages, des trucs un peu marins, tu vois. J'adore. Franchement, j'adore cette veste. Et vous avez ce dégradé de fleurs et de feuilles et tout. Et en bas, le tissu devient carrément jaune moutarde. Voilà, vous voyez, il y a une espèce de dégradé dans les motifs par petits pointillés. Et j'adore vraiment le détail, les détails de ce tissu, mais c'est absolument magnifique. Et donc, il s'agit d'un ensemble de la marque Kenzo. Et oui, là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, il se trouve que l'étiquette de la veste a été dégriffée. Donc, bah, je ne connais pas, hein, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Mais si vous voulez voir l'étiquette, je vous la montre sur la jupe, parce que la jupe n'est pas dégriffée. Donc, voici Kenzo. Voilà, donc c'est un ensemble Kenzo. Et bah, la jupe, elle est pareille, hein, vous voyez, il y a ce dégradé, le bas est un peu moutarde et tout. Et bah, en fait, la petite histoire de cet ensemble, c'est que dans un premier lieu, j'ai trouvé la jupe. Quand j'ai reçu la jupe, je suis tellement tombé obsédé du motif, du tissu et tout, que je me suis dit, non mais là, il faut absolument que je trouve la veste en fait. Donc j'ai passé des heures et des heures et des heures sur Vinted à scroller toutes les vestes Kenzo. J'avais mis le filtre bleu marine.
Et je scrollais, je ne peux pas vous dire combien il y a de vestes bleu marine Kenzo sur Vinted, mais il y en a des milliards. Et vers la fin des pages, mais j'ai dû faire au moins une vingtaine de pages, bah dans la dernière page, d'un coup je tombe dessus. En fait, je tombe dessus, quoi. Genre, elle était là. Et je vais sur l'annonce, le pire c'est que je vais sur l'annonce, elle était sur Vinted depuis 2 ans. Elle était là à 25 euros. C'est... Non mais inespéré. Ça faisait 2 ans qu'elle était sur Vinted. Elle traînait comme ça, elle zonnait à 25 euros. Tout va bien quoi. Tout va bien. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais pardon. Donc bah, vous vous doutez bien que je l'ai acheté immédiatement. Et quand j'ai fini de l'acheter, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit putain, ça fait 2 ans qu'elle est sur le site. Ça se trouve, la personne qui l'a mise en vente ne va plus sur Vinted depuis. Donc j'ai regardé un petit peu, la dernière fois que la personne s'est connectée, c'était il y a 2 jours. Donc je me suis dit, bon, la personne est encore active sur son Vinted, Dieu merci. Mais est-ce qu'elle a encore la veste, tu vois? Parce que si ça se trouve, elle a posté comme ça il y a 2 ans, et puis après elle a vendu sur un autre site, elle a oublié de l'enlever. Donc je lui fais un message, je lui fais bonjour, la veste est magnifique et tout, je suis trop contente. J'espère que vous l'avez encore, je lui ai dit. Elle m'a répondu dans la seconde, elle m'a dit « Oui, je l'ai encore, je vous l'envoie demain, merci pour votre achat et tout. » J'ai dit « Mais waouh, ça c'est un miracle. » Ça s'appelle un miracle parce que la veste, elle a dormi pendant 2 ans sur Vinted à 25 euros. Alors que c'est une veste hyper rare que beaucoup de gens recherchent parce que Fran l'a portée. Je vous spoil avant même de l'essayer là. Mais Fran a porté cet ensemble. Donc c'est vraiment une pièce très 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 recherchée. Et quand je pense qu'elle était sur Vinted pendant 2 ans, moi-même je l'ai cherchée pendant des années. Mais je suis passé à côté, tu vois. Donc vraiment, je suis vraiment ravi de vous présenter aujourd'hui cette veste qui est dans mon dressing et que j'aime par-dessus tout. Donc c'est parti, j'arrête de blablater et j'essaye l'ensemble tout de suite. Et tada ! Voici l'ensemble porté. Non mais, waouh, j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y a un quatrième bouton, je pourrais le fermer, mais... Je me trouve un peu enfermé, vous voyez, donc je préfère le laisser ouvert, ça me dégage un peu le... Waouh. Donc la veste est 1,38, j'ai ouvert un petit peu les coutures sur les côtés parce qu'elle était un peu serrée, je vous cache pas. Maintenant ça va, je suis très bien dedans. J'ai rallongé les manches également, donc vous voyez que les manches elles sont parfaites maintenant pour moi. Et waouh. J'aime le corps que ça fait, j'aime le motif, j'aime le... Ces motifs là, des fleurs comme ça et tout, ça fait vachement fin des années 90 et j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Fran Fine a porté cet ensemble dans la série Une ou nous en faire. Je vous mettrai une image juste ici. Et donc, cet ensemble, il me semble qu'il fait partie de la collection 1998. Ou 99 de Kenzo, je ne me souviens plus, mais en tout cas fin des années 90. Et waouh, waouh, j'adore cet ensemble, et je l'aime. Vous pouvez même pas savoir à quel point il est magnifique. Il y a des petites épaulettes dedans, j'adore. Et donc voilà, je vous le montre de dos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai été ravi de partager ce magnifique ensemble avec vous aujourd'hui. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle pièce vintage. Bonjour le petit. Mais qu'est-ce qui se passe en bas? C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est le bordel. Je n'ai pas regardé le match, mais je suppose que le Maroc a gagné. Parce que c'est le bordel. Ah ben en tout cas, comment vas-tu mon petit pou? Bah ça va. Oh, il est mignon hein. Mon bébé. Ah, en tout cas les amis, ça y est, je viens de rentrer à la maison. Je suis crevé encore une fois, hein. J'ai pas arrêté de... Oh là là, le sapin, il est magnifique. Bref, j'ai pas arrêté de nettoyer de toute la journée, j'en peux plus. Et donc là, bah écoutez, je viens de rentrer, donc je vais me doucher, me démaquiller. Et je vais me poser un petit peu, et puis après je vais faire à manger, tranquille. Je sais pas du tout ce que je vais faire ce soir. Je pense que je vais faire...
Du poisson pané avec des pommes duchesses. Ouais, j'ai acheté ça l'autre fois aux courses et le poisson, il est, il faut que je le fasse. Il est pas pourri, bien sûr, hein, il a encore du temps. Il périme quand? Hop! Le 24 décembre. Joyeux Noël. Donc j'ai encore le temps, mais bon, il faut le faire quand même. Donc je vais le faire. Et puis je vais faire ça avec des pommes duchesses et ce sera très bien. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vais tranquillement faire tout ce que je vous ai dit. Voilà, ils font péter des pétards maintenant. Oh putain, ouais, il y a des feux d'artifice et tout. C'est le bordel, les amis. C'est le bordel. C'est le bordel. Oh mon dieu. Ah bah c'est le bordel. Je ferme la fenêtre hein, parce que là, ça va, les gars ça va. Bon, je vous laisse, je vais à la douche et je vous reprends plus tard. Bon app, le petit pou. J'ai mis de l'eau fraîche et de la mangue. Et il est en train d'en manger. Alors que j'ai déjà essayé de lui proposer de la mangue. Il a jamais voulu en manger. Là, il était en train d'en manger. Bon, j'ai allumé la caméra, il s'est excité. Mais il était en train d'en manger juste avant. Mon petit titi. Bon, écoutez, je vais aller lui mettre ses graines. Et nous, notre repas est prêt également. Donc voilà, ben, comme je vous ai dit, poisson pané et pommes duchesse. Voilà. Donc alors je vous souhaite un bon appétit les amis. Ah mais c'est zoomé pourquoi? Re les amis. Bah ça y est, la France a mis un zéro, c'est le bordel. Donc écoutez, la journée touche à sa fin, je vais commencer à monter ce vlog qui était très plat aujourd'hui, on va pas se le cacher vous et moi, mais bon, c'est comme ça, hein. C'était une journée de travail, plus demain, après c'est bon. Ouh, j'ai hâte les amis. Donc voilà, je vous retrouve avec Pablo pour vous dire au revoir. Didi au revoir. Didi. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Mouah.